Bonsoir mesdames, messieurs, et merci de nous suivre sur On Air Media. L'actualité que nous traitons ce jour, c'est celle liée aux Lions Indomptables du Cameroun, notamment la liste de Magris pour les deux prochaines confrontations de l'équipe nationale du Cameroun. Et pour l'analyser, nous sommes en direct au téléphone avec l'analyste sportif et journaliste Georges Mbimbe. Bonsoir, monsieur Mbimbe. Bonsoir Magique, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, merci de m'avoir invité. Alors avec vous, on parle de cette liste de Magris, la liste des joueurs qui affronteront la Namibie le 13 novembre prochain et le Zimbabwe le 19 novembre prochain. Gardien de but, Simon Gapadouet-Bou, Simon Omosola et André Onana. Ce secteur de jeu fait quand même polémique depuis l'arrivée de Magris parce qu'on remarque l'absence de Fabrice Ondoa. Est-ce qu'une fois de plus, on peut expliquer cette absence de l'un des meilleurs gardiens camerounais à l'international aujourd'hui? Oh, c'est un scandale et tout le monde sait, c'est connu, tout le monde sait qu'il n'y a rien de sportif qui justifie sa mise à l'écart. Rien, parce que autant à une certaine époque, on pouvait nous vendre le fait qu'il n'avait pas de club, c'était pas compétitif. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il a un club, il est compétitif. Vous savez, je pense que dans la vie, il faut respecter la trajectoire des gens. En gros, pardon, Fabrice Aubry, il est vainqueur de la CAN en 2017, d'ailleurs la dernière CAN qu'on a remportée. Il a donné beaucoup de plaisir aux Camerounais. Je crois qu'il ne mérite pas d'être traité comme ça. Et quand je vois d'autres Camerounais, parce que Magri, je peux comprendre, à un moment donné, il se dit, j'en ai rien à emballer de ce que pensent les Camerounais. Mais il faut d'abord être Camerounais pour être capable de comprendre que c'est pas juste. Il n'y a rien qui peut expliquer ça. C'est pas une mise à l'écart, c'est pas une suspension normale ou logique. C'est un gros scandale. Et c'est vraiment juste parce que je pense qu'il a sa place dans ce groupe. Titulaire ou pas, ça c'est un autre débat, il n'a même pas lieu d'être. Mais Fabrice Aubry n'a pas à payer les pots cassés des histoires qui en réalité ne sont que des histoires purement camerounaises. Et c'est triste parce que ça rajoute de la rancœur. Et je pense qu'il fallait qu'on passe autre chose. C'est bien dommage. Dans la défense sélectionnée par Magris, on a Christopher Wo, on a Jackson Tatua, Enzo Flavien, Boyomo, Nuotolo, Michael Ngandengandji, Jean-Charles Castelletto, Guy Marcelin Kilama, Dalin Yongwa et Fay Collins. On note quand même le retour de Dalin Yongwa dans cette équipe-là. Dalin Yongwa qui joue en deuxième division française. On a reproché pendant plusieurs sélections à Magris de sélectionner les joueurs de seconde zone. Dalin Yongwa est-il un bon choix pour Magris, surtout aujourd'hui? C'est très embêtant parce que si on parle de joueurs de seconde zone, je ne sais pas où on mettrait Faye. Pauline, lui ne joue même pas dans un club. Donc, c'est très compliqué. Yongwa fait partie des joueurs qui enchaînent les matchs en Europe. Et puis, il a la particularité d'avoir été bon quand même en sélection. Même lorsque parfois l'équipe nationale du Cameroun tanguait, quand il était titulaire, il était bon. Alors, c'est vrai aujourd'hui, on va le dire clairement. Le titulaire à ce poste de latéral gauche fait un très bon boulot depuis quelques matchs. Nous, Tolo, je ne pense pas que le débat soit de savoir s'il faudrait qu'il vienne prendre une place de titulaire, mais il est toujours important, peu importe là où vous vous trouvez, d'avoir un peu de concurrence. Et il fallait à un moment trouver à nous une concurrence. Et je crois que le retour de la reine, on va entrer dans ce cadre-là, dans cette logique-là. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il revienne. En plus, il enchaîne les matchs, il en forme. Ce sont les matchs en club. Il a encore été décisif. Bon, je comprends totalement qu'il soit appelé. Ça tranche avec, par exemple, une convocation de celle de faille que je comprends totalement pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas ce qu'on veut faire de l'équipe nationale du Cameroun. Mais parlant de Yongwa, on a remarqué quand même qu'il est très offensif, contrairement à Nuotolo qui, de l'autre côté, est un latéral défensif, même s'il fait quand même des efforts sur les dernières rencontres. Vous, le sélectionneur Mabrice, vous mettrez qui de ce côté-là? Non, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, Nuotolo, je comprends que ça serait tellement injuste qu'on vienne le déboulonner de son poste. Il fait le taf, il est intéressant. Il a été décisif, d'ailleurs. Je pense qu'il est bien dans cette équipe de Mabrice. Je ne vois pas pourquoi il est nécessaire de changer quoi que ce soit. Darlin n'était pas là depuis un moment, à lui de gagner sa place, et ça doit prendre du temps. Donc, je pense même pas qu'il y a débat. C'est nous qui sommes le titulaire.
Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament Power Hunt. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. Power Health, c'est le nom du médicament. Power Health est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. Power Health est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Dans le milieu de terrain sélectionné par Mabrice, on a Christian Bassogo, Brian Bemo, autant pour moi, André Franzambo Anguissa, Carlos Baleba, Yvan Neuil, Martin Onla, Arthur Avom et Willity Younoussa. Ce sont des joueurs qui ont été sélectionnés. Dans l'attaque, Christian Bassogo, Brian Bemo, Boris Enoff, Franck Magri, Vincent Boubaka, Patrick Soko, Nicolas Brice Moulinga Malheu, Georges Kevin Kodo. Dans le milieu des terrains, on remarque quand même l'absence de Koundé Malon, qui est quand même l'un des cadres de cette équipe-là. Est-ce qu'on peut expliquer l'absence du joueur dans cette sélection de Marc Brice? Moi, je sais pas. Ça, par contre, qu'il fallait le demander à Marc Brice dimanche prochain, dimanche dernier, pardon. Je ne sais pas, je ne connais pas quelles sont les raisons. Le problème avec Koundé, c'est que ce n'était pas non plus un titulaire. Donc, à partir de ce moment, il n'a pas non plus beaucoup joué avec cette équipe. Il a fait quelques rentrées en jeu. Est-ce que ce qu'il a proposé quand il entre en jeu n'a pas satisfait le coach? Il s'est dit qu'il veut voir d'autres joueurs. Parce que aujourd'hui, la qualification acquise, le plus important, c'est de préparer une équipe compétitive pour la CAN. Et la CAN, on la gagne pas avec 11 titulaires. On la gagne avec 11 titulaires et un banc de touche. Donc, je ne sais pas si finalement, Mabrice se dit qu'il a envie de voir autre chose. Là, il a appelé Neyou. Donc, peut-être qu'il s'inscrit dans cette logique-là. Il sort certains, il fait entrer d'autres. Pour essayer de voir ce que chacun peut apporter au moment de, et pour qu'il soit bien, comment je vais dire, pour qu'il ait des certitudes au moment de rendre sa liste finale pour la CAN. Et on parlait il y a un instant du cas Faye Collins qui quand même interroge. Faye Collins qui est toujours appelé sous l'air Mabrice, mais qui n'a pas de club. C'est quoi l'idée derrière les convocations de Faye Collins? Vous n'êtes pas le sélectionneur, mais vous pouvez je ne sais pas, mais j'entends beaucoup dire qu'il a le même avant que le sélectionneur. Je pense que si c'est vrai, on ne va pas aller chercher le midi, de minuit jusqu'à midi. C'est que là, on tient finalement la logique de sa convocation, tout simplement. Et c'est triste et lamentable, parce que tous les joueurs camerounais qui évoluent dans le monde entier, qui peuvent être sélectionnables, ont des agents. Si on se retrouve dans une situation où désormais, comme vous avez le même agent que le sélectionneur, vous ne pouvez pas avoir de club, vous êtes toujours convoqué. Que le sélectionneur légitime ce type de message dans dans le public, ça vous dit aussi quel est le niveau en termes de moralité, de maîtrise qui se fait passer pour quelqu'un qui est très actif sur la morale et tout. Et quand vous prenez un joueur, pas pour ses performances sportives, parce qu'il n'a pas de club, quel est le message que vous envoyez aux autres? Et je sais pas, je trouve quand même ça scandaleux. Mais bon, comme quelqu'un avait dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le moment, il gagne ses matchs. Il est libre de prendre même le chat ou le chien. Dans ces conditions-là, s'il gagne, il va vous dire que je gagne. Donc, foutez-moi un peu la tête. Mais sinon, sportivement, évidemment, c'est un scandale. Il n'y a rien qui justifie que Faye Collins continue d'être appelé. Parce que c'est différent de tous les débats qu'on a toujours eu chez beaucoup de joueurs. Faye Collins ne joue pas, il n'a pas de club. C'est différent d'un joueur qui a un club, mais qui ne joue pas le week-end. Ils s'entraînent au moins avec les joueurs en semaine, comme quelqu'un qui va jouer. C'est différent d'un gardien de but, parce que j'ai tout entendu, j'ai même entendu que, mais quand Fabrice Ondoan n'avait pas de club, on l'appelait. C'est fou quand même, je me demande si parfois les gens, ils en connaissent un peu sur le foot. Un gardien de but ne peut pas être comparé à un joueur de centre. Un gardien de but n'a pas la même importance et le même rôle qu'un joueur de centre. Un gardien de but ne se prépare pas comme un joueur de centre. Un joueur de centre qui n'a pas de club, il ne peut pas faire 45 minutes sur l'air de jeu.
c'est pas les mêmes sensations en termes d'entraînement. La preuve, vous avez remarqué depuis qu'il est là, qu'on voit Paul Collins venu dans le terrain, ne serait-ce qu'une ou deux minutes de jeu. Donc, on peut comprendre. Et c'est dommage, c'est dommage.